Il doit bien y avoir moyen de relever ce volant. Son angle est faussé et vous m'avez dit que ça se réparait. Oui, madame. C'est ce joint qui est coincé. Voyez, votre arbre à cames est relié à la courroie d'entraînement. C'est ça qui fait de la pression sur ce sacré joint. Et c'est vrai que les femmes ne connaissent pas grand-chose à ce genre de truc. Qu'est-ce que c'était? Oh. Qu'est-ce qu'il y a? C'était bizarre, ce bruit. J'ai payé très cher pour ce véhicule. J'espère qu'il n'a pas eu de casse. Oh non, madame. Ces engins ont toujours des tas de fils inutiles. Je le savais. Il me l'a brisé. Il m'a abîmé ma Mustang neuve. J'exige de voir le gérant tout de suite. Là, c'est réglé, je crois. Bon. J'ai relâché au moins l'excès de pression. Mais
Oh. Excusez-moi, monsieur. C'est votre garagiste. J'ai apporté ma Mustang neuve pour qu'il me redresse le roller et il va sûrement me la mettre en pièce. Allez-vous vérifier ce qu'il s'est passé? Certainement, tout de suite. J'ai failli me tuer. Ernest, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Quel cougar! Il essaie aussi de me voler. Il a dû prendre mon portefeuille. Regardez là dans sa boîte à outils, mon sac à main. Ernest, descends-moi ça de là tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, du calme, enfin, mais calmez-vous! Regardez-moi ça! Et là, bon sang, je vous le dis! Ernest, tu descends de cette voiture immédiatement! Oui, monsieur. Ernest, tu es viré! Patron? Tenez, messieurs, voilà vos œufs. Encore un peu de café? Hé, hey, d'où ça sort, ça? J'ai demandé tourner et baveux. Oh, je suis désolée, est-ce que je suis étourdie? Mais tâche d'être moins dans les nuages. Tout de suite. Je vais revenir. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe donc, René? C'est pas ton genre de faire une erreur et moins encore de te laisser emmerder par un emmerdeur comme lui. Qu'est-ce que tu veux? C'est une vie misérable. Ça ne peut pas toujours être rose, tu sais. Entre nous, Betty. Si mon prince charmant faisait son entrée, maintenant tout changerait. Il serait brave et audacieux. En secret, il m'entraînerait dans une mission qui serait pleine d'intrigues internationales. Et on nagerait ensemble dans une aventure qui ferait monter perpétuellement l'adrénaline et ferait plisser les yeux d'effroi. Ce serait bien. Tu devrais arrêter de lire tes romans à l'eau de rose. Et là, il me sauverait des griffes d'une mort impitoyable. Et on partirait au coucher du soleil. Juste lui et moi, tout enlacés. Oh, j'en ai des frissons un peu partout. Parlant du grand frisson, regarde qui est là. Hé, hey, les jolies! Hé, hey, coucou, c'est moi! Ça va? Ce gars-là nous lâchera donc jamais? Oh, laisse-le rêver. Il t'adore, il te dévore des yeux. Super, mon idéal. Un pauvre gars comme Ernest. Qu'est-ce que j'irais faire de quelqu'un qui est aussi paumé que moi? Hé, hey, regarde, attends! Ça, c'est le coup de la poire pressée! Alors, mes jolies, une petite manque pour la laine? Ernest, ne devrais-tu pas travailler à cette heure-ci? Non, j'ai quitté ce travail minable. J'ai dit à M. Ellis que je gaspillais ma vie à jouer les pompistes dans un self-service. J'ai dit que j'aspirais à de plus nobles choix de carrière. Il t'a viré? Non, on s'est séparés en bons termes. Mais maintenant, je suis libre de vivre selon mes ambitions. Et c'est quoi? Hein? Ernest, j'ai un client. Il faut que je le serve. Elle t'a tapé dans l'œil à vous, hein? Peut-être, oui. Faut voir. Attends que je lui fasse le coup de charme à la Ernie Warhol, tu me suis? Trop bien, hélas, oui. Laisse-moi te donner un conseil, hein? René a le moral à zéro de ce temps-ci. Elle aurait besoin d'un remontant et j'ai dans l'idée qu'un cadeau ferait son bonheur. Mais qu'est-ce que tu penses de mon coup de charme? Vaut mieux deux cadeaux, hein? Oui. Deux cadeaux. Pas touche. Je veux pas de toi ici, dégage.
Et c'est quoi ces trucs? Aïe! Est-ce que je peux vous aider, monsieur? C'est que je cherche quelque chose pour une bonne amie à moi. Cet article est très bien. Oui, il m'a tout de suite accroché. Oui. Je vous comprends, ça se vend comme des petits pains. Ça vous fera $40. $40 pour une simple maison d'oiseaux? Laissez-la si elle ne vous plaît pas. Non, je la prends sur le champ. En fait, j'y suis déjà très attaché. $40, hein? $40. Oui. Et merci. J'ai rien à côté. Rends-nous les yeux dégolis ou on va aller te fouiller les entrailles avec une paire de pinces. Oh, mais qui c'est ça, Goli? J'ignore de quoi vous parlez. Abdul Kazim exige qu'on lui rapporte les prunelles dégolis. Ou alors celles du voleur. Il faudrait qu'Abdul Kazim s'en prenne d'abord à lui-même, puisque les yeux dégolis ont d'abord été volés par lui. Mais ne vous arrêtez pas, continuez. Cette petite scène est plutôt amusante. Bien joué, Bazou. Très efficace. Oh, merci d'avoir sauvé un pauvre type comme moi. Merci, c'est comme dans un rêve. Merci bien, monsieur. Tu as tout compris. Tu as devant toi l'homme de tes rêves. Oui. Tiens, tiens, voilà de vrais trésors. Oh. Ouais, c'est ce qu'il me faut tout à fait. Nous avons envahi votre planète. Il a les suspects, moi je vous dis. Là-bas, monsieur l'agent. Oh, oh. Mais vous, arrêtez! Ils s'enfuient! J'en ai des outils, si vous voulez garder. Sauf qui peut. Oh, vite. Oh, toutes mes excuses, monsieur Abbas. J'ignorais que vous n'étiez pas fou de notre ami à lunettes. Quoi? Vous êtes un enfant! Oh non, j'adore les bêtes, c'est tout. Et je suis un grand défenseur de l'environnement. J'aime que les choses soient naturelles et qu'on les laisse comme telles. Vous rigolez, là? Jamais une limousine n'a été un habitat pour un... Voilà! En effet, monsieur Abbas. Mais les fouines et autres rongeurs répugnants sont les morceaux de choix de cette jeune beauté sinueuse. Qu'est-ce que vous désirez savoir? Allez-y, je vous dirai tout! Est-ce que tu travailles pour Abdul Kazim? Non. Non. Fini, ça. Mon ami est impatient. Quasi m'a juré qu'il allait me tuer. Où sont cachés les yeux dégolis, monsieur Abbas? Je vous connais, Thompson.
C'est vous qui les avez volés à la tribu des Sikatutu, n'est-ce pas? Oui, c'est vous qui avez trahi cette peuplade. Kazim t'a envoyé me les dérober. Et tu as doublé ensuite Kazim. Donc tu es le dernier à avoir vu les diamants. Et réellement, je me sens désolé pour toi. Parce que bientôt, tu vas sentir le poison de notre ami couler goutte à goutte dans tes veines. Non, pas ça! Pitié! Ils sont dans ce marché, chez un vendeur de jouets qui a un saut marqué 2 pour $1. Oh, pitié! J'en peux plus! Merci, monsieur Abbas. Je vais vérifier. Et ce sera réglé. Moi non plus, je n'aime pas laisser traîner les choses. Allez, Bazou, allons faire le marché. Eureka! Aïe! Oh. Voilà. Ouais. Elle sera ravie. Oh ouais. Approchez, ma petite dame. Il y a de la pour tous. Oh, je vais vous prendre celui-là, d'accord? Allez, rends-moi les yeux des golems. Où Bazou t'enfonce sa belle bottine, histoire de chatouiller l'œsophage. Aïe, aïe, calme, j'ignore de quoi vous parlez. J'ai l'impression que ce vieux fou n'a rien à y voir. L'homme qui nous intéresse, c'est lui. Hey Jake, tu veux connaître un bon coup? C'est mon lancer double looping. Le silence s'abat sur la foule rassemblée, alors que le champion de yo-yo de la planète entre dans l'immense terrain du stade. La balançoire, la foule se déchaîne, ouais! Et maintenant, notre champion va nous exécuter sa remarquable triplette autour du monde. 1, 2, 3... Oh, Jake! Oh, Jake, je suis désolé, c'est juste un accident. Attends, je trouve de l'eau. De l'eau? Oui, voilà. Tiens. Jake, je ne vois rien. Est-ce que tu es là? C'est trop sombre. Seconde, j'allume la lumière. Oh, parle-moi, Jake. Réponds-moi. Une minute de silence, peut-être. Les yeux des Golis ont été rendus au léopard blanc. Donc Thompson pense que ce gars est l'agent 32. Oui, c'est un type tout dangereux. Et Thompson est sûr qu'il a les yeux des Golis en sa possession? Sache que Koulou ne se trompe jamais. Tiens-toi prêt. Mmh.
Ernest. Ah. Ah, salut, Betty. J'ai apporté le cadeau. Oh. René! Oh, René! Mets les oignons sur le hamburger, Joe. Oui, Ernest? J'ai fait quelque chose pour toi. Tu sais, il y a belle lurette que je te trouve drôlement... C'est pour moi? Oui. C'est un échange. Cette femme est son contact. Ernest, c'est trop gentil, voyons. Je suis désolée pour l'autre fois, je m'en veux encore. Bien, ouvre-le, allez, vas-y. Un yo-yo? Oui, fait par moi, je suis plutôt débrouillard. Toute une surprise. René, dans ma tête, j'ai pensé que toi et moi, que toi et moi, peut-être qu'un soir... On... Ernest, sache que j'apprécie ce cadeau et tout, mais je crains que toi et moi, on ne soit jamais... C'est vrai, je cherche un homme qui mettrait du piment et de l'aventure dans ma vie. Je veux pas être cruel, Ernest. Tu n'es qu'un villageois ordinaire, un plouc. Tu es comme moi, tous deux, on est de vulgaires en plouc. Et si je restais pas un villageois ordinaire et un plouc, je peux changer. Oh, je garderai toujours ton cadeau, oui, toujours. Chez moi, j'ai déjà plein de bibelots, rien que des cadeaux de plouc. Oui, et moi aussi. C'est l'heure de la la plonge. Oh, je suis navrée. C'est pas de chance, Ernest, c'est vrai, je croyais qu'elle... Enfin... Non. Elle dit vrai, je ne suis qu'un pauvre villageois et un vulgaire plouc. Je n'ai jamais eu le moindre esprit d'aventure, Betty. Tout jeune, lorsque je sortais pour l'Halloween, j'allais pas plus loin que la maison des voisins. Je crois que je mérite juste de mener une vie ordinaire, mère. Mais... Oh. Le glorieux, fasse que la foudre s'abatte sur ton humble serviteur. Les nouvelles d'Amérique ont tout pour te déplaire. Dites, vous êtes sourd ou quoi? Ernest ou l'agent 32, si vous préférez, ne m'a jamais offert de yeux. J'ai déjà assez des miens, enfin. Tout ce que j'ai eu, c'est ce stupide yo-yo. Et si toi et boule de billard, vous aviez un peu de cervelle dans le crâne... Bazou. Bazou. Ah, t'as entendu, mon gars? Il a dit deux fois pour que tu saisisses. Il nous est venu aux oreilles, agent Loomis, que vous êtes à la solde de Kazim. Elle est bonne. Moi, René Loomis, agent secret. Tu sais, ça se lave les oreilles, camarade. Où sont les yeux d'Egonie? Ernest doit le savoir, lui. J'ignore toute cette affaire, moi. Et vous pouvez toujours m'arracher les bras, ça ne vous donnera pas, Ernest. Ok, non, mademoiselle, nous allons lui téléphoner. Je veux descendre. Oh, tu devrais aller te brosser les dents, mon chou. Ouais. Allô? Monsieur Warrow, un appel personnel d'une connaissance. Comment se fait-il que ton truc ait mon numéro? Les docteurs ne devaient pas la laisser servir du téléphone. Oui? Ernest, c'est René. René? Tu sais quoi? Ces bandits me torturent avec un élévateur. C'est horrible. Ils prétendent que tu as les yeux de je ne sais trop qui. Alors rends-leur ce qu'ils demandent, Ernest. Je suis fatiguée, j'ai pas pris de bain. Tout ça, c'est à cause de toi, tu sauras. Oh, c'est sûr, René. Tu restes là où tu es et j'arrive avec leurs yeux tout de suite. Est-ce que ton réfrigérateur fonctionne? Agent 32, vous êtes prévenu. Si vous ne vous présentez pas au hangar numéro 6 de la rue Johnson d'ici 20 minutes, votre ami aura les bras deux fois plus longs. Deux fois plus longs? Mince, elle ne pourra plus porter sa petite robe à carreaux.
Je suis sûre qu'il va venir tout de suite. Il a dû prendre les yeux de votre ami par erreur. Il est tellement tête en l'air. Ça y est, ce coup-ci. Pas si vite, ma chère. Une fois que l'agent 32 m'aura remis les yeux dégolis, il faudra que je me défasse de vous et de votre petit ami, de toute façon. Il n'est pas mon petit ami! Quelle horreur! Hangar 6. René s'est fait kidnapper. Les yeux dégolis. Juste une minute. Si j'ai les yeux de ce gars-là, comme ils disent, comment s'est-il servi du téléphone? Coucou, René. Y a personne ici? Ouh. René? Eh oh, c'est moi, surprise! Agent 32, alias Ernest. Non, c'est Ernest BW. Mets les yeux dégolis sur le plateau à ta gauche et fais-le rouler jusqu'ici. De l'autre côté, crétin! Ah oui, c'est trop bête. Oh, veux-tu arrêter de lui rendre ses joujoux, nom d'un chien? René, est-ce que ça va? Non, Ernest, ça va très mal. S'il te plaît, donne-lui ce qu'il veut! C'est que j'ignore ce qu'il veut. Bazou, fouille cet homme. Je ne sais pas à quoi tu joues, agent 32. Tu as osé venir ici sans les yeux. Désolé, je vais être obligé de vous tuer. Moi et René? D'un autre côté, je peux peut-être me servir de toi comme pion contre Kazim et Bulbe. Tiens ton yo-yo. Tu auras tout le temps pour apprendre de nouveaux tours durant notre voyage. Enfin, mais c'est pas trop tôt, hein? Je vous remercie. Pas terrible, votre truc, ça tire les poignets. Je suis sûr que vos camarades seront ravis de vous voir à votre arrivée en Afrique. En Afrique? En Afrique? Non, attendez, je peux pas aller en Afrique. J'ai pas eu mes vaccins. Là-bas, les moustiques ont les pieds plats, tellement ils sont gros. Par ici, jeune effronté. J'espère que vous allez repasser ce film, monsieur. J'aimerais bien le revoir, moi, ce film. Je disais que j'aimerais revoir ce film, surtout le passage où le scorpion remonte dans le dos du gars. Celui où on voit le visage de la vieille femme après le meurtre de la fille sous la douche. Et c'était pas Rosebud le titre. Sur les vols transatlantiques, on peut garder les petites bouteilles d'alcool. Allez, emmenez-le-moi à la centrale et faites-le parler, vous deux. Bien, monsieur. Alors c'est pour quand, cet hôtel, que je prenne un bain? Assieds-toi et ferme-la. On peut faire confiance à personne, de toute façon. Attendez que je me plaigne. Eh, tu vas la boucler un peu. Je suis plus dans ce camion étouffant. Où est-ce que je suis, là? Si je sortais de ce fichu sac. Je sens l'odeur de l'eau. Oui, il doit y avoir de l'eau par là. Je sens qu'il y a de l'eau. Mais je suis coincé. Oh, ma tête. Je déteste me montrer un hôte inconvenant, mais les affaires de nature plus pressantes m'attendent. Veuillez me pardonner. Et comme vous et Bazou êtes devenus de bons compagnons,
Il veillera, j'en suis certain, au moindre de vos désirs pendant mon absence. Et on ne s'ennuie jamais avec lui. Monsieur Thompson, la femme qui était avec vous a des superbes yeux, dites. C'est exact, et spécialement quand elle bat des cils. Et est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette remarquable créature? Si tu approches encore, Bazou, tu es prévenu. Je vais te dégueuler mon déjeuner sur tes jolies bottes bien serrées. Je te prie de croire qu'elles vont coller pendant des semaines. Comme mon petit ami Ernest. Je veux dire, mon ami Ernest sera là. Garde tes distances parce que tu risques de passer un sale quart d'heure. Oui, tu parles, René. Mon employeur est une personne des plus exigeantes. Un jour, il a acheté un oiseau d'un vendeur de rue et l'oiseau refusait de chanter. Il a alors coupé la langue de l'homme et il l'a donné à l'oiseau. Un peu excessif, sans doute, mais... Oui, nous avons tous nos petites manies, chacun son style. Mon employeur est quelque peu nerveux. Les yeux d'Egolie semblent vous avoir échappé et on vous a remis $1 million d'avance. Oui, une bagatelle. Il serait préférable que je puisse rapporter au moins quelques... progrès. Dites simplement que j'ai moi aussi un oiseau qui peut chanter. Alors, Bazou, je peux t'appeler Baz? Je parie que t'étais footballeur à l'école. Arrière, pas vrai? J'étais meneuse de claque. Eh bien, non, à dire vrai, j'étais juste suppléante, celle qui réchauffe les bancs. Je faisais mal la roue. C'est ce qu'il y a de plus dur et ils étaient très tatillons. Tu as déjà fait la roue. Veux-tu la faire? Non? Veux-tu que je la fasse? C'est inutile de créer entre nous de fâcheuses frictions, hein? Nous sommes, qu'est-ce qu'on dit déjà, de la même équipe? Même équipe? Dans ce cas, il va falloir jouer gros. L'heure est venue de renégocier mon contrat. Les hommes de Kazim m'ont attrapé ce voleur que vous aviez envoyé chez moi pour récupérer les yeux. Ce serpent est désormais avec ceux de son espèce. Est-ce là une façon de traiter un partenaire? C'est vrai qu'un homme comme vous sait traiter ses partenaires. J'ai souvenir que vous êtes revenu seul du territoire, Sinkatutu. Certains partenaires, hélas, ne sont pas du niveau. Il a manqué le vol. Je veux savoir quand j'aurai les yeux d'Egoli. Lorsqu'on m'aura versé $6 millions dans mon compte aux îles Caïmans. Mais c'est le double de ce qui était entendu. Ça se paie, un champion des ligues majeures. C'est à prendre ou à laisser. Bienvenue au club, monsieur. Merci, John. Et vous, attendez! Qui vous a autorisé? Qui êtes-vous? Oh, je m'appelle Omar. Et vous, Abdul Aboul Billy Bazi. Mais pour les intimes, c'est vous. Et vous? À votre service. Je travaille ici jour et nuit. La journée, j'asperge d'eau les chemins. Je répands des milliers de litres d'eau pour 3 grains de poussière qui traînent. Oh, c'est beau le progrès. Des milliers de gens meurent chaque jour de soif au Soudan. Mais ici, on nage dans l'abondance.
C'est drôle, je ne vous ai jamais vu. Je suis l'homme à tout faire. J'ai l'œil sur tous les bagages des gros bonnets. Je connais tous les gros bonnets. Hein, vous ? Ah, voyez, je suis comme cul et chemise avec ces messieurs. J'arrive tout de suite, Saheb. Je suis votre humble serviteur. Je m'occupe de votre sac, monsieur, il n'y a pas de problème. Oh, que voilà un jeu amusant. Combien de fois est-ce qu'il faut remettre les crosses au fond de la poche? Est-ce que c'est un bon score? René? René? Je t'en fais une? Ok. Fred et Wilma, pierre à feu, disent que Bazou, yabadabadou, ladida. Bazou est super, ladida, une super bonne affaire, ladida. Bazou est super, ladida, 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 ladida. Ensuite, roue et triple saut. Vous êtes pâle, on boit un verre? Et vous? À ton service, Saheb. Service est comme mon deuxième nom. Non, en fait, mon deuxième nom est Caracalla. Approchez. Oh, qu'est-ce que tu désires au grand maître? Ce sera un scotch avec de l'eau. Ce sera avec de la glace, au grand maître des rois dont le crachat est comme un baume sacré? Oui, avec glace. En cube ou pilé la glace? Ô majesté divine dont la vieille savate sert à table comme cuillère à peau, hein? En cube. Comme je disais, Jamine. Dans un grand ou un minuscule verre, au noble seigneur dont les douces flatulences sont le parfum de la nuit. Grand ! Nom d'un chien, mais ça ne va pas, non ? On est crainte au esprit de sagesse dont le cérumen a la saveur du miel. Ôte tes mains de sur moi, espèce de cancrelat ! Merci et gloire à toi, dont l'urine est la soupe quotidienne du pauvre. As-tu entendu ce que j'ai dit? Oui. Dehors, ouste! Donc ce sera un scotch dans un grand verre avec des cubes de glace. Et une petite frite avec ça. Non! D'accord, tout de suite je m'exécute au grand timonier dont les crottes entre les orteils et le dentifrice des âmes indignes. Ton désir sera exaucé au être suprême dont la sueur est le nectar de la baie. L'odeur de moisi, ce serait bien d'avoir un désodorisant à l'essence de pain. Ou, je sais pas, moi... Du talc pour bébé, peut-être. Rien qu'à voir ta tête, j'incite pas. Tu préfères un pot pourri? Une mine de diamants, moi, Roldani, qui devait nous rendre plus riches que tout ce qu'on peut espérer. L'ennui, c'est qu'il a négligé de me dire où la mine se trouvait avant de nous quitter ici-bas. Et là, me voici, moi, une vieille femme sans fortune personnelle, ni le moindre ami, seule sur ce continent noir d'Afrique, trahie et abandonnée. Si au moins quelqu'un ici pouvait m'aider. Auriez-vous l'amabilité de renseigner une pauvre femme comme moi? Hé, hey, grand-mère, tu te crois où, là? Allez dehors! S'il vous plaît, faut m'excuser, mais je viens ensevelir mon cher époux, Harold, dans la chaudière de ce club de gentlemen qu'il affectionnait particulièrement. Hé, hey, ici, on n'est pas chez les croque-morts. Dehors, mémé! Il fumait assez de cigares pour tuer tout un régiment. Quoi? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Ce Gripsou m'a emmené en croisière. Le buffet était misérable. On ne servait que des petites saucisses sur des cure-dents et des biscuits soudains. Arnold a enfourné une de ses pitoyables saucisses, mais il s'est étouffé avec le cure-dent. Il s'est écroulé, mort. Et assez, là! Le écoutez, pire, c'est qu'Arnold est mort dans les eaux internationales. Donc, les assurances m'ont dit, tu repasseras pour la prime. Il a fallu que je vive de mon traitement à l'école de maintien. Bien, nous y voici, Arnold, dans ce bel endroit que tu aimais tant. Autant en emporte le vin.
Merci, Harold. Ernest! On m'a servi à quelque chose sur cette... Ernest! Ah oui! Ernest, c'était super! Oh, quelle ravissante couleur, ma chère. Merci. Allez, détache-moi vite. Oh, oui, oui. Désolée. C'est fait. Allez. Dépêche-toi! Minute, hein. Voilà, j'arrive. Vite, René, vite! Ils sont à nos trousses, dans la petite voiture. Ernest, tu es formidable, si brave, si audacieux et aventureux. C'est vraiment le pire! René, tu sauras que les hommes, par nature, se divisent en deux principales catégories. Ceux qui savent se servir de leurs 11 doigts et les autres. Tu me suis? Non! Oh! Réveille-toi, debout, crétin! Oh, où est-elle? Tu l'as laissée s'enfuir. Oh. Remue-toi! Ah. Ah. Doucement! Il faut qu'on les rattrape. Ils ne sauraient être bien loin. Mais d'où tu viens? C'est une très longue histoire. Ça, je m'en doute, oui. Dans la Jeep, vite! Oui, monsieur. On les accepte ici, c'est une honte. Monsieur. Vous avez lu les journaux? Oui, je ne pense pas que la livre pourra se... On les a bien eus. Charmant, c'est une voiture. Dommage qu'il n'y ait pas la race. Si je faisais pas de compétition de stock-car, ils nous auraient rattrapés dans le tournant. Ouais, je me rappelle une fois dans une course, Dale Earnhardt a essayé de me couper... Ernest, tu sais quoi? Voici une jolie clairière. C'est l'heure d'établir le campement. Voudrais-tu aller chercher du petit bois, hein? Du petit bois? Mm-hmm. Ouais. Ah. Où un gars peut-il trouver du petit bois? Bien, dans les bois, ça va de soi. Ah oui, bois, petit bois, suis-je bête, oui. Oh, chouette! Un sac de chips! Je meurs de faim. J'ai comme l'impression qu'on n'est pas seul. Mm. Oui. Par chance, on n'a pas à faire cuire les chips, René. Va vite, Ernest. Cours chercher du petit bois. Qu'est-ce que tu attends? Pour commencer, René, rien de tel contre les bestioles qu'un bon répulsif. Ernest, il me faut aussi la veste high-tech à l'épreuve des tigres. Mes chics jambières en peau de serpent approuvées par l'OTAN est capable de résister même aux tempêtes arctiques. Mon nouveau casque haute fidélité qui a le pouvoir de repousser les guêpes. Mes gants de combat thermogènes en peau de rhinocéros. Ma fidèle tronçonneuse et encore plus essentielle, des bananes comme peau de vin pour les singes. Il est toujours sage, René, dans la vie d'avoir les singes de son côté. J'ai juste besoin d'un peu de bois. Gare à vous, esprit de la brousse. Je pars à la chasse au petit bois. Ah oui? Bien, tu n'es qu'un mauvais perdant et un pleurnichard. Tu peux garder la tronçonneuse, tiens. Où tu veux le bois? Tu arrives trop tard. Désolé. Joli feu. Gros idiot, on a perdu et Ernest et la fille. Et ça chasse le léopard la nuit. Ça n'est qu'une simple voiture de golf, bon sang. Le léopard est plus prévisible. En route et ouvrez l'œil. Ernest? Oui? Ernest, tu sais,
Tu t'es montré si courageux aujourd'hui. Oh, foutaise, ce n'est rien. Je transporte toujours ce type d'équipement au cas où ce genre d'histoire m'arriverait. Non, laisse faire le petit bois. Non, moi, je parle de cet après-midi. Tu m'as sauvé de ce Thompson et de ce tueur. Pour moi, tu étais comme ce beau gars qu'on voit dans les films d'aventure épatant, Illinois Smith. Oui, genre Illinois Smith dans Hitler fait-moi peur. Avec les nazis tous accrochés après le camion. Et Illinois Smith conduit seulement sur deux roues. Il a son Luger entre les deux dents. Oui, Ernest, tu te rappelles quand il enlace la fille? Oui. Et là, il prend son fouet en main et il coince l'embrayage d'un seul coup. Ils sont tous éjectés du camion. Tu crois que notre héros a eu peur? Pas du tout. Pas Illinois Smith. Il cabre son moteur. Il écrase à fond la pédale et hop, nuit, il redémarre. Et bonne nuit, hein. Et après, quand l'hélice s'est détachée de l'avion et qu'il est venu frapper contre le fuselage, il n'a pas eu peur, là non plus. Il n'a jamais cédé devant qui que ce soit. Et tu te rappelles l'épisode du Temple Sacré? Tu te rappelles, ouais? Quand l'énorme bloc de roche commence à dévaler la pente, il menace de l'écraser sous son poids. Il nous retient notre souffle. J'ignore ce qu'il en est pour toi, mais j'ai dormi comme un bébé. Moi, je dirais plutôt comme un trombone. Je conduis cette fois. D'accord, je vais juste faire le tour de ce côté. D'accord. Bien, je... Vaut mieux que j'aille passer de ce côté. Ouais, vas-y. Ok. Okay. Pas de problème. Stella, mais excusez-nous. Je serai toi, je passerai de ce côté. Amène-toi de ce côté. De ce côté? Oui, oui. D'accord. Excusez-nous. Pardon, messieurs, je... C'est ça, avance. Je voudrais passer, là. Tu sais quoi? Monte de ce côté. Tu peux monter? De ce côté? Approche, ouais. Avance. Tu veux que je monte par ici? Ouais, voilà. Ok, merci. Encore un effort, bon. En route. On y est. Non seulement tu as échoué, mais il paraît que ce Thompson a doublé ses prix. Avant que tu ne te prononces sur mon humble sort, ô Seigneur, accorde-moi le droit de te rappeler que l'oiseau vole en direction du faucon qui l'agrippe. Dans ce cas, il faudrait affûter les serres de notre faucon. Bravo, Altesse. Vous êtes très, très, très... bon. Oups! Oh! On dirait qu'il y a du vent, René. C'est sûr qu'on attire le vent, Ernest. On a un buisson gros comme le Kansas sur le toit de l'auto. C'est un truc qu'on m'a enseigné à la guerre. Même que c'est du camouflage, c'est pour pas se faire repérer. Et pourquoi on nous repérerait? Le blanc, la peau bien blanche, dans une voiture de golf broussailleuse au milieu de l'Afrique. C'est très courant. Ah oui? Est-ce que tu aimes réellement ces feuilles, Ernest? C'est une herbe de brousse, oui. Très nutritif. C'est dans mon cours de survie que j'ai su. Ah, c'est bizarre, j'ignorais que l'herbe à puce pouvait être comestible. L'herbe à puce, oh, c'est très bon. Contre l'acné. Regarde la girafe de ce côté. Oh, où ça? Droit devant, à côté de ce buisson. Oh, je l'ai raté. Non, droit devant, regarde. Oh, je ne vois rien, remontre-la-moi. Oh, c'était peut-être juste un grand facochère. J'ai fini de voler l'escapement et ils sont nulle part, patron. Et je vais manquer d'essence. Écoute, si l'avion s'écrase, tant pis, ne rentre pas avant de m'avoir repéré l'endroit où il se cache. Juste une minute, il y a un gros buisson qui avance sur la piste. Quoi? En route. J'ignore comment tu te sens, mais
Cette plante du terroir m'a comme donné soif. Ouais, je me sens la bouche pâteuse aussi. Oh, regarde, il y a des cabanes là-bas. Ces indigènes me semblent accueillants. Je connais au moins 16 dialectes zoulous, tu sais. Ernest, toi, tu as appris ces nombreux dialectes? Je travaillais dans une boutique de disques. Ah! Garde-toi sur le côté. Bon, ça ira. Tu m'attends. C'est qu'il faut savoir s'adresser à ces peuplades. Alors, les purlaines, en forme? On se serre la pince. Shibop, shibop, douab, douab, wang, dang, shamalalaba, ding, dong. Oh, Ernest. Habit noir, cravate noire, lunettes de paquetis, méchant. Oh, ma tête. J'espère que l'ambiance de mon palais vous a relaxé. J'ai entendu dire qu'il y avait un lien entre vous et les yeux des Gaulis. Mais jusqu'à présent, vous avez été plutôt avare d'informations. Je vous garantis qu'après une seule nuit au palais, vous serez enchanté de coopérer. En fait, il se peut que cette coopération vous soit même des plus agréables. Je me sens tout à l'envers. Oh. J'ai pas envie de ça aujourd'hui. Et là-dessus, le fermier s'écrie, c'est Nick-Nack Petit Jacques, le canard qui fait des couacs. Nick-Nack Petit Jacques, le canard fait des couacs. Dites, elle est où la jeune fille qui a des petites lunettes et des jambes en cure-dent? Cure-dent, Kazim. Kazim? Ah, et quel chemin? Kazim! Je vois... Zut alors. À toi, donc. Au revoir, Nick-Nack, Petit Jacques. Canard fait des couacs. Bon, allez, ça ne devrait pas être difficile à trouver. Debout les filles! Le grand Kazim réclame de la compagnie. Oh! Oh! C'est maintenant ou jamais. Pas des pattes. Je le trouve plutôt mignon, mais il faut se laisser un peu désirer. Cachotier, tu ne m'as jamais parlé de ce nouveau joyau de notre harem. J'ai voulu te surprendre, oh glorieux prince. Hé,
la petite verte. Approche, viens me voir. Moi? Je ne suis pas digne de toi, mon beau Saël. Oh, ne sois pas si sotte. Allons, viens partager un bol de fruits de mer aphrodisiaque. Ça va te titiller l'essence toute la nuit. Oh. Moi? Je m'assois. Est-ce que tu as faim, ma rose du désert? Et comment? Ah, le plus doux des fruits pour la plus douce des fleurs. Oh, franchement. Une belle cuisse d'Inde, petite gourmande. Oh. Un bon appétit est signe de passion. Cette pastèque m'a l'air succulente. Oui. Oh. Oh. Non, 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 non. J'ai horreur des pépins. Oh, 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 oh. Là-dessus, si on regardait ce très charmant visage. Non, non, non. Oh, non, si, si, si. Non, non, non. Oh, si, si, si. Non, non, non. Oh, si, si, si. Non, non, non. Oh, si, si, si. Oh, juste un petit coup d'œil. Quel est dans le trésor que tu caches? Que voilà une fringante gazelle. Oh, oh, juste un baiser. Allez. Ah! Au secours! Garde! Garde! Oh! Allez! Au secours! Ah! Arrêtez! Opi umlunku anist. Il a dit nicknack, petit Jacques, le canard fait des couacs. Opi umlunku anist. Kazim, cure-dent, Kazim. Osa benz no Kazim. Kazim les tient prisonniers. Je sens que ça va barder. En route. Tout compte fait, ce prince était pas mal. Il avait un beau sourire et la bouffe était bonne. Ce qui n'était pas terrible, c'était la musique. Ernest, à quoi est-ce que tu penses? Ce prince t'aurait tué le temps de crier New York. Il n'a jamais mis les pieds à New York. Oh, eh bien, Kinshasa, si tu préfères, peu importe. Hé! Hey, regarde, Ernest, un camion! Faisons du stop, allez! Deux filles de harem au milieu de la savane. Ça doit être mon jour de chance. Salut! Salut, les filles! Où vous allez? Johannesburg, merci. Et je vais pas si loin. Oh, et vous allez où? Chez moi. Pourquoi tu l'as cogné? Comme ça, j'ai vu une copine le faire un jour. Ah. Viens, essayons de le mettre à l'arrière. Hop, allez! René, à l'avenir, choisis-le, gringalet, ton gardien d'autruche, tu veux... Oh non! Ernest, tu as mieux de faire vite! Devine qui arrive! J'espère que tu abordes là, Ernest, parce que moi, je décolle d'ici! Ah! Oh, les vaches! Ernest, cache-toi!
va pour la bagarre. Avec moi, attention, ça passe et ça casse. Il serre la balle. Puis, il lance. Et c'est le but! Faudrait plus de vitesse et une meilleure prise. C'est ça. J'ai peut-être des 38, mais moi, j'ai des obus 40. Dans le mille. Encore, recommence. D'autres obus. Navré, petit. Et qui provoque, c'est une attaque de belle poitrine. Non, si tire en voiture, on se croira à Los Angeles. Hé, hey, camarade, ça vous tente un œuf macotruche? Non. Cela, c'est du sérieux. Hé, hey, les gars, comment les œufs? À la coque, brouillés ou en omelette? Bravo! Bon vent, Charlie. Est-ce qu'on peut vous annoncer, monsieur? Vous êtes dégagé de là. Excusez-moi, il vous faut une autorisation pour pénétrer ici. Monsieur Thompson. C'est un plaisir de vous voir en ces lieux, monsieur Thompson. Où est Kazim? Il règle une affaire très personnelle et on ne peut l'interrompre. Bazou, arrache-moi la tête de cet homme tout de suite. Une affaire toute personnelle soit-elle, ne peut être aussi importante que la visite d'un ami tel que vous, monsieur Thompson. Mais vous êtes prévenu, il est avec Dorothée. Dorothée? Il doit s'offrir encore du bon temps, je parie. Elle est sa favorite. Oh, ma chère Dorothée, je suis l'homme le plus chanceux au monde. Non, non, pitié, mon prince. Pitié, je veux pas mourir. Ils étaient trop forts pour nous. Épargne-nous, je t'en supplie. Où est ma gentille Dorothée? Non, oh, mais c'est elle. Approche, ma petite crotte adorée. Et si on laissait un peu Dorothée jouer au soccer, hein? Approche, ma douce colombe. Non. Amène-toi, ma citrouille. Allez, ma marmelade. Vos hommes ont échoué, alors? Je tolère mal l'échec, qu'on se le dise. L'échec est parfois la chose la mieux partagée. J'ai dérobé les yeux, ensuite vous me les avez pris. Monsieur Abbas vous les a repris. Ernest et la fille les ont volés à Monsieur Abbas. Et là, vous voilà bredouille. Peut-être devriez-vous danser avec Dorothée. Il paraît que votre prix a doublé. En général, je hausse les tarifs quand quelqu'un m'aide de force. Très bien, Monsieur Thompson. Aucune aide, mais vous êtes prévenu. Un échec peut avoir de sinistres conséquences. Il n'y aura pas d'échec. Cette affaire est devenue trop personnelle. Alors, où se cachent-ils? Ils ont été retracés dans le nord. Ils approchent de la frontière, celle qu'on ne doit pas franchir. Parfait. Non. Oh. Dorothée. Bien, je crois qu'il faut qu'on marche maintenant. Ouais. Tiens, ces bottes seront un peu plus confortables que tes souliers tout en lamé or. Merci, elles sont très à la mode. Ernest. Oui.
J'ai vraiment envie de te dire quelque chose. Oui? C'est à propos de tes yeux. Oui? Ces lentilles me rendent folle, tu sais. Je suis plongé dans les ténèbres éternelles. Quelle direction l'Amérique? À l'ouest. Mais jamais je n'y arriverai. Ernest, ces bottes sont un supplice. Bien, tu sais ce qu'on dit, René. On peut parcourir des milliers de kilomètres. Ce qui compte, c'est le premier pas. Crois-moi, Ernest, j'ai parcouru des kilomètres dans mon restaurant, mais j'avais de bonnes chaussures au moins. Moi, j'ai appris dans mon cours de survie qu'il fallait toujours garder ses bottes, les lacets bien serrés. Oh, quelle importance! On sera mort avant d'avoir atteint ces collines. Peut-être pas mort, mais... le corps en sang à cause des épines empoisonnées ou en convulsion à cause des fièvres de la malaria. Ah, voilà qui remonte le moral. Tant mieux. C'est important de garder un bon moral, tu sais. Aïe. Ils étaient là, mais ils ont filé. Jamais ils ne franchiront l'escarpement en vie. Il faut qu'on les rattrape avant que les hyènes avalent les yeux des gorilles en mâchouillant les restes de leurs dépouilles. Pourquoi est-ce que tu ris? Est-ce que tu veux finir avec Dorothée? En route! Qu'est-ce que tu fais? Je communie avec la nature. Il communie avec la nature. Ernest, debout, allez! Quand on s'abandonne à la nature, on ne fait plus qu'un avec elle. Monsieur est philosophe maintenant? Les masses doivent toujours se révolter contre l'oppresseur et... Ah, voilà, j'arrive. Ah, zut. Il n'y a ni châtiment ni récompense dans la nature, René. Il y a juste des conséquences. Je connais ça, ouais. Les conséquences. J'essayais juste de tirer le meilleur parti des choses. Ton lacet est défait. Quoi? Je t'ai eu. Désolé. Est-ce que c'est encore loin? Aucune idée, Ernest. L'Afrique est un grand continent. Je vois mal comment on pourrait s'en sortir. Tout est affaire de volonté et de détermination. Mais j'ai chaud. Moi aussi, j'ai chaud, Ernest. Mais j'ai décidé de rester optimiste et de voir la vie positivement. Par exemple, toi et moi, on apprend à mieux se connaître. Mes mollets sont de plus en plus fermes. Et je sais maintenant que quand on a connu la vie sauvage, on n'a plus peur de rien. C'est quoi cette grosse chose que tu as dans le dos? Oh, c'est une énorme punaise! Enlève-la moi! Oh, je t'en supplie! Oh, je la sens qui monte! Tu la enlèves là-dedans! Oh, je déteste les punaises! Enlève-la! Non, pas question, elle va me sauter! Ne la laisse pas faire! Enlève-la! Ernest, tu sais, si on ne s'en sort pas, je tiens à ce que tu saches à quel point je... Ah ouais, à quel point je suis fière de toi. C'était vraiment courageux de te glisser dans ce harem. Quoi, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ce n'est rien qu'une pièce pleine de femmes, à moitié déshabillée. Ah, je me suis comportée un peu comme une snob par le passé. Je rêvais de tas de choses irréalisables, mais à cause du voyage, j'ai beaucoup réfléchi, je dois dire. Elle est prête à fondre. Il faut admirer ces femmes pionnières qui ont parcouru l'Oregon, ne serait-ce que pour leur endurance. Ah, tu peux me croire, Ernest, une fois en Amérique, si je m'en sors, bien sûr, les choses vont changer. C'est vrai, cette expérience m'a vraiment ouvert grand les yeux. Admire à présent tout le charme de ton Ernest poupée. Oui, bébé. Non, c'est de la folie. Un effort à lui. Non, c'est fini. Quoi, déjà? Écoute, c'est inutile. Inutile? Regarde, comment veux-tu qu'on traverse cette rivière? Oh, ciel, encore une rivière. Je suis fatigué, je suis mort de soif. Mes pieds sont en compote. Faut supporter encore longtemps toutes ces petites joies. Oh, Ernest, cesse de pleurnicher, je dois évaluer la situation. Mes sous-vêtements sont collants, mes jambes piquent. Va donc savoir pourquoi. Et un gros moustique m'a arraché. Hein. Génial! Génial. Oui, c'est ça. Quoi, ça? Les gens. Oui, tu vois, ça me pique ici. Non, les miennes, Ernest.
Tu n'as qu'à te gratter toute seule. Oh, il faut que j'enlève mon pantalon. Oh, quel manque de pudeur tout de même. Enfin, que je sache, ce n'est pas une classe de gymnastique. Voilà ce que ça donne une femme moderne qui tombe amoureuse de vous. Je suis peut-être un gars de la vieille école, mais elle est sans doute victime du charme à la Warhol. Que voulez-vous? Tiens, gonfle-les à bloc. Les gonfler à bloc? Oui, gonfle mes pantalons. Tu veux que je mette de l'air dans tes pantalons? Oui, hey, ici, c'est pas ce qui manque. Souffle fort. Super. C'est gagné, je le sens. Ok. À ton tour, cette fois. Oh, pas encore. Je suis fatiguée. Je t'en prie, Ernest, fais un effort courageux. Allez, vois-tu, la seule façon de s'en sortir, c'est d'utiliser mes pantalons comme flotteurs et de descendre la rivière. Quoi? Descendre la rivière? La rivière René regorge de méchants poissons vampires africains. Le genre de poisson, René, qui peut te réduire une centaine de gros buffles en un tas de carcasses en l'espace de quelques minutes. René... Ce type de poisson, Ernest, n'est pas africain. C'est une espèce australienne, Ernest. Ils l'ont dit à la télévision. À présent, souffle, allez, hop! Ok, donne-moi ça, allons. Il y a des arbres devant, ils doivent être dans ce bosquet. Écoute, René, marcher le long de la rivière ne donnera rien. On ne fait qu'aller plus loin le long de cette rivière. Il va falloir trouver un moyen de traverser. On peut peut-être essayer d'implorer de l'aide, faire appel à une bonne fée. On va avoir de l'aide, je crois, mais ils n'ont pas l'air de bonnes fées. Oh, oh. Ernest. Ne t'inquiète pas, René. Je connais cette tribu, ils sont cordiaux. Hé, hey, enchanté. Ernest! Youhou! Oui, 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 tu es perspicace, très cordial, tes petites fées. Bien, au moins, et quelqu'un nous porte. Moi, je te trouve très ingrate. Si encore il tapait moins des pieds, la randonnée serait agréable. Oh, c'est fatigant! Mais il pourrait changer de chanson de temps en temps. Rosanne! Sikulethele izipho ezinkulu, nkosi yami. Yini lokho? Siyathokozisa, nkosi. Bana bututu kanje. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Sufena lego kutunoza. Fanele umthokoza. Fanele umthokoza. Qu'est-ce que je disais? Regarde-moi dans ça. On ne doit jamais ajouter de l'origan dans une soupe au basilic. Pas surprenant qu'on les appelle la tribu perdue. Ernest, à quoi ils jouent là? Ah, ils veulent nous donner un massage. Si tu... Je crois qu'ils attendrissent nos chairs. Hey, attention, vieux, ils sont prélavés, ces jeans. Aïe, aïe. Là, c'est malin, maintenant, j'ai les jeans pleins de trous à cause de sa fissulence. Ernest, ils vont nous manger. Attends un peu qu'ils goûtent à l'herbe à puce, on va rire. Hé, hey, Tula, était-ce qui peut quoi en Getsu Makuni? Je crois qu'il veut que tu vides tes poches. Oui, et ce serait bête qu'il se brise une dent sur quelque chose de dur. Au revoir, joli yo-yo. Ah, vous aimez ça, hein? Et celui-là, vous le connaissez? Bye.
regarde ça. Alors, cher public, on passe un bon moment. Applaudissez, un peu d'ambiance, allez. D'où êtes-vous, cher public? Ah oui, c'est une ville où on mange bien. Je parie que vous aimez le spectacle, pas vrai? Oui, et nous, on a un grand plaisir à vous divertir. Vous savez quoi? Moi, je dis toujours que les Cinca Toutou, c'est le meilleur public qu'on rencontre dans nos tournées. Faut me chauffer cette salle. On applaudit Wally et les Rubin Babine. On applaudit très fort. Un petit solo, allez. Et n'oubliez pas que votre serveur prend les pourboires. Sur ce, bonsoir, conduisez prudemment. Allez, au revoir. Impossible qu'ils aient pu traverser. On est à la passe de Katanga, Bazou. C'est la terre de Cinca Toutou ici. Ils sont sans doute morts. Rebroussons chemin. Une espèce de lâche et de pleurnichard. Je suis pas un lâche. C'est une zone interdite, patron. Ceux qui y sont entrés n'en sont jamais échappés. J'aurais dû sévir et vous virer dès le premier échec. À présent, disparaissez. Tu ne pourras pas dire, René, que je ne te traite pas comme une reine. Toi, Ernest, magicien Twégon, chacun de tes désirs sera obéi. Un billet d'avion direction Cleveland. Cleveland? Oh, ouais. Cleveland. Dis, chef, est-ce que tu n'es pas aussi un grand prêtre ou quelque chose du genre? Yeah, beau grand poète. Alors, est-ce que par hasard tu nous marierais, moi et la demoiselle ici? Ernest, et moi là-dedans, je n'ai pas un mot à dire. Tu entres dans mon jeu. J'ai un super plan pour nous échapper. Mais pourquoi s'échapper, voyons? On n'a pas besoin de plan, on est les rois ici. Long chalaboumcha. C'est idiot, pourquoi tu veux faire un mariage, dis-moi? Question de sécurité, joue le jeu. Ernest, excusez-moi, je n'ai pas donné mon accord. Oh, j'espère, les filles, que les hommes de votre tribu ne vous traitent pas de la sorte. Alors, vous allez faire une fête de célibataires? On va se mettre en cercle, rôter, parler entre hommes. Non. Rite fertilité. Quoi, quel genre de rite? Non, sans façon, j'ai déjà eu cette opération voilà très longtemps, quand j'étais gosse. Toi content, ça émoustille. Émoustille? Bayetti! Bon sang, jamais j'ai été aussi content de vous voir. Omlungu spla chibi chim. Chibi, chibi. Cette personne-là a volé les Cinca Toutou. Aucun s'il est là. Deux hommes ont dérobé les yeux d'Egoli. Le premier a pris la fuite dans l'oiseau blanc. Quant à l'autre, le voilà. Cet homme-là vole dans l'oiseau blanc. Juste une minute. J'ignore ce que sont les yeux d'Egoli. J'ai rien volé, écoutez. Madonte! Je réclame la bataille des justes. Impie guérison! La bataille des justes? C'est drôle, tout compte fait. J'aimerais autant l'opération. Dépêche-toi, s'il te plaît. Quand quelque chose doit se faire, René, il faut que ce soit bien fait.
Bon. J'ai au moins le temps qui joue pour moi. Ernest, sors-moi de cette cage! Gete gunisole sonoba. Ernest! Calme-toi, René, j'ai le parfait contrôle de la situation. Que commence la bataille des justes! Mets l'horloge en main. Mais non, idiot! Tape sur lui, pas sur ce cadran! Là, je ne faisais que suivre les instructions, René. Elle n'est jamais satisfaite. Ernest, fais attention! Oulala! À Kurva! C'est manqué, manqué, voilonné, la 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 la! Manquez, pas de chance. Ernest, rends-moi les yeux des gaulis ou je te tranche en deux. Non, Ernest. Bien joué, grosse bedaine. On fait joujou, dit. Bravo, Ernest! 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 Ernest, derrière toi, attention! T'es coincé. Ton heure est venue, agent 32. Mais je n'ai rien qui t'appartient, Coco. Ernest, ton yo-yo! C'est ça! Yo! Et à présent, mon célèbre tour du monde. Machegoli! Machegoli! Ma foi, ils ont l'air d'avoir aimé le spectacle. Vous marchez dessus. Et alors, chef, ça vient là. C'était mon pied. Appuyez sur l'autre, ce sera... Ernest Pearl, tu prends racine ou quoi? Je veux descendre, moi! Arrête de jouer les lunettes! J'ai la peau des fesses qui me brûle! Tu pourrais au moins te lever et venir me donner un petit coup de main! Un effort de ta part serait très apprécié! Tu es là comme un macho qui joue les gros bras sur un terrain de sport! Ernest! Toi, petit!
petit croc encore et je vais avoir un problème de peau et tout sera ta faute. Tu sais quoi? Je corrige, c'est ma faute, oui. C'est cette chaleur atroce. Cette chaleur me monte à la tête. Je sais pas ce que je dis. Ernest, je t'adore. Ah, tu es l'être qui éclaire ma vie. Tu es le chevalier de mon cœur étincelant dans son armure. René, René, René. Jamais tu n'as couru de réel danger. Après tout, tu étais avec Ernest P. Worrell. Tu dois le lui dire. D'accord. Courage. Ok. Bonjour, René. Tiens. Tu es prête pour notre petite sortie? Oh, regarde. Je t'apporte un souvenir de notre aventure. C'est un œuf d'autruche. C'est moi qui l'ai décoré. Oh, Ernest, c'est si gentil. Fallait pas, je te remercie. Ernest, faut qu'on discute. Oui, mais on aura tout le temps puisqu'on sort. Non, Ernest, j'ai quelque chose à t'apprendre. Quoi? Ernest, je sortirai pas avec toi. Toute ma vie, j'ai cru que j'attendais mon Illinois Smith. Mais notre récent voyage m'a appris une très importante leçon. Ernest, tu es trop extravagant, trop aventureux pour moi. C'est pourquoi j'ai décidé de sortir avec quelqu'un comme Todd Lovsky. Todd Lovsky. Il est comptable chez Wilson, le magasin des forces armées. C'est un garçon du pays, il a les pieds sur terre. C'est un gars ordinaire, un plouc. Mais je croyais que j'étais moi aussi un de ces vulgaires ploucs. Ernest P. Worrell, ne laisse jamais qui que ce soit te traiter de vulgaire plouc. Parce que tu es très dynamique comme plouc. Oui. Je me doutais qu'il y avait un petit problème. Peut-être que je suis trop cosmopolite pour toi. Ou trop vieille Europe. Ou trop farouche, peut-être bien. Au revoir, Ernest. Au revoir, René. Oui, les gars comme moi doivent reprendre la route en solitaire. En rebelle. Seuls comme les loups qui sèment derrière eux les cœurs brisés dans l'ombre de leurs pas. Oui, René, c'est l'heure pour le loup des grands chemins de s'élancer une fois encore dans sa quête de la grande aventure. On se reverra, bébé. Un jour quelque part. Oh.